ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Enfin, retrouver les forces pour faire retentir ses cordes. Le 26 novembre 2021, au Palais des Sports de Ouaga 2000, accueillera, oui, le Palais des Sports de Ouaga 2000 accueillera les amoureux, amoureuses du langage de l'émotion pour la 20e édition des Koundé. Mais en prélude de cette grande date, en prélude de ce très grand événement, le Mac 12 fera son Koundé 2021, comme indique là le fond derrière. Et bien évidemment, votre compagnie. Merci d'être des nôtres, merci de rester surtout fou, car vous le savez tous, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact, bien le bonjour chez vous. Alors j'espère que vous avez mis les pieds sur la table, vous avez décravaté. Si vous n'avez pas serré votre cou comme Jacqueline ici sur ce plateau, vous venez, bon, voilà. Suivez un peu, parfois, bon. J'espère que ça va, un hein. Peu, c'est wash, bon. C'est bon. Bien sûr que ça va. C'est bon, hein. D'accord. Tu t'étouffes pas non, ça non, peut non, aller. En fait, ce sont les autres qui souffrent, sinon nous on est à l'aise. En tant que boss apologue. En tant que boss, voilà, c'est logique, quoi. Oui, normal, normal, right. Sinon les garçons, comment vous allez? Oui, super bien, ça va. Nous sommes encore ravis de retrouver tous nos Mac 12heurs, nos Mac 12heuses, franchement. Tout comme également hein, le baromètre de la musique au Burkina, ben, le Mac 12 est également le baromètre de toutes les émissions. Ben, nous sommes ravis de vous retrouver. Et puis, ben, vive le Mac 12. Oui, il est encore midi et en tout cas, on est ravis de vous retrouver. Comme vous l'avez dit, hein, on va plonger en plein cœur de l'océan du Koundé. Restez alright. Le Mac 12 fait son Koundé au programme La Genèse du Koundé 2020, ballon du Koundé, 20e édition. Ensuite, le contenu du Koundé 2021, impression sur l'apport du Koundé dans la valorisation de la musique d'ici et d'ailleurs. Et enfin, Bileka Kora Koundé 2002 et 2005 nous racontera son aventure en tant que Koundéman. Sur ce, que le palais de la bonne humeur ouvre ses portes. Je ne peux pas payer sa dot. Casse moto qui passe, prrr, prrr, koyo, koyo. Étudiant qui marche, fata, fata, son barapolo. Soleil va tuer policier. Pardon, mon gong, c'est la voix de tambour qui va tuer. Avec son chalot. Bienvenue en Waya. Wayanou. Bienvenue en Waya. Des investigateurs, ici tout le monde est inspecteur. Ça enquête, ça embête. Au final, tout le monde s'entête. À Ouaga, on sait qui est qui a fait quoi et qui est dans quoi. Tu veux prendre la tête de qui, comme si on sait pas ce qui est en toi. Tout ce que t'as porté, c'est pas pour toi. Tu fais le mal, mais c'est pas pour toi. Une petite qui te salue, qui dit d'amour ou ça. Je me demande, mais tout ça là pourquoi. Tu as pas la yango, la manara. Tu m'aimes ou ça, va là-bas. Tu penses que je ne sais pas que tu es là parce que t'as pas mieux que moi. Moto qui passe, brr, brr, koyo, koyo. Étudiant qui marche, fata, fata, son barocolo. Soleil va tuer policier. Pardon, mon nom, c'est la voix de tambour qui va tuer. Avec son chalot. Bienvenue à Waya. Wayanou. Bienvenue à Waya. Photo façon tu l'as quitté, c'est comme ça en 10 ans tu viens la retrouver. Comment changer sa mentalité? Elle reste bornée dans ses idées. Elle n'accepte pas la nouveauté, mais elle veut quand même évoluer. Malgré ses défauts illimités, voilà, comme elle, j'ai jamais kiffé. Beaucoup de qualité, il faut l'avouer. Hospitalité, là on est doué. Certains sont heureux, même les poches trouées. Bienvenue à Waya, Waganou. Bienvenue à Waya, Waganou. Bienvenue à Waya, ici c'est Waga, Waganou. Bienvenue à Waya, Waganou. Je connais Waya comme ma poche. Pour moi, elle vaut de l'or. De ma ville, je suis l'or, mais je ne peux pas payer sa dot. Je connais Waya.
veut pas payer sa dot. Six motos qui passent, prrr, prrr, koyo, koyo. Étudiant qui marche, pata, pata, son baracolo. Soleil va tuer policier. Pardon, mon nom, c'est la voix de tambour qui va tuer. Sacré Amzi, on souligne qu'il est nominé parmi les grands de la catégorie Koundé d'or. Ah, vous êtes vous a voté? Bien sûr. J'aime bien qui est votre candidat. Non, 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 toi aussi. S'il te plaît, non, 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 faut pas nous faire déclarer une certaine guerre avec nos artistes, parce qu'ils sont tous nos artistes, que ce soit Amzi, Don Chan de Batoro, Desatino, Sisbi de Bobo du Lasso et Amzi lui-même. Voilà quoi, donc ils sont tous nos stars. Mmh. Ouais, bien sûr. Mmh, je l'ai dit sur ton visage, qu'est ton candidat. Je sais. Je sais. Non, faut pas nous vendre. Petit gars de Bobo, donc on sait déjà qui est son candidat. Mais pourtant, tu sais, bon, je te dis à cœur ouvert, qui je kiffe. Mais bon, j'ai pas dit. C'est voilà, je dis pas. Voilà, en tout cas, j'ai voté. Voilà. Allez, Koundé 2021, le Mac 12 fait son coup d'œil en prélude de la grande date qui est le vendredi 26 novembre 2021. Le Palais des Sports accueillera les amoureux, amoureuses du langage, l'émotion, entendez par là, la musique. Allez, on fait ensemble la jeunesse du Koundé parce qu'il y en a plein qui se demandent, mais Koundé là même, c'est quoi même? Déjà, quelqu'un peut me demander ça, s'il te plaît, on mourrait. Koundé là, Koundé, mais il y a moins le Koundé. Comment a commencé les Koundé? Comment la calebasse, la corde et aussi la corne s'est agencée? Comment tout ceci s'est harmonisé jusqu'à ce qu'on arrive à Koundé 20? On va le découvrir ensemble maintenant dans l'instant invité. Nous sommes avec le grand papu, c'est le grand Maïga. Bonjour à vous et bienvenue. Giga, Giga, Giga. Pardon, Maïga, Giga, pardon. Giga, Giga, Giga. Alors, le grand Giga, bonjour et bienvenue. Vous êtes bien sapé, j'aime bien votre tenue. Merci. Je vais commencer à suivre un régime. Non, normalement, dans 3 mois, je peux venir chercher la tenue. Là. Ça va m'aller à merveille. Ok, ce sera avec plaisir. Alors, commandant, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Ouais. Déjà, nous, on veut savoir comment votre aventure a commencé avec les Koundé. Avant de parler de Koundé même. Ouais, je pense que M. Diga, qui est mon aîné, je lui laisserai la parole. Parce qu'on était là au même moment, mais il s'est mieux planté le décor que moi. D'accord, ah, j'enchaîne. Ouais, mais quand on a une charmante présentatrice qui distribue la parole, voilà, il faut bien sûr adhérer pleinement hein, à la consigne. Allez, non, ici c'est quartier libre. D'accord, merci. À César, ce qui est à César, même si nous allons peut-être égratigner légèrement la modestie de l'homme, je vais parler de Salfo Souredi Gapresse, qui a vraiment eu l'idée, qui est un ami commun à nous tous et qui partageait bien sûr ses idées et bien d'autres choses. Avec nous, qui a eu l'idée qu'il puisse avoir quand même une cérémonie au Burkina qui récompense les meilleurs artistes de l'année. Et il avait trouvé comme premier nom Balafon. Et puis après, il a vu que bon, Balafon d'or, ça allait être un peu long. Et puis quand vous dites Balafon, plus vous vous éloignez de l'ouest du Burkina, vous n'en trouvez pas. Oui, déjà à partir après Boromo, jusqu'à Kantchari et autres villes, il n'y a pas l'instrument Balafon. Mais l'instrument qui était quand même unanime, qu'on retrouve un peu partout dans toutes les aires culturelles et socioculturelles de notre pays, c'est le Koundé. Une sorte de luth traditionnelle, une guitare, pour parler français, africaine à 3 cordes, que l'on appelle Ngoni ou Kamelengoni dans la zone du Lafon, et puis en Moré, que l'on appelle Koundé, et en Fulfulde, ma langue, qu'on appelle Hodu. Et ça se retrouve, je dirais, partout en Afrique de l'Ouest. Et même au-delà, dans certains pays de l'Afrique centrale et australe, on en trouve également. Donc, c'était vraiment le nom tout trouvé. Et comme je disais, Balafon était long. Koundé, ça fait plus court, ça fait plus fédérateur. C'est connu, c'est populaire. Et puis bon, voici comment est né le nom Koundé. Et puis maintenant, la cérémonie, disons-nous, nous ne réinventons pas ni la roue ni l'eau chaude. Il y a déjà des cérémonies un peu partout de ce genre à travers le monde.
Les victoires de la musique, les awards musique, même chez nous en Afrique, il y avait Africa Award avec Consti, Eka, et puis bon, les Kora, musical de notre grand frère Adjouvi, Ernest. Et donc on s'est dit que on allait aussi adapter. Il faut pas copier pour copier, il faut prendre et surtout adapter pour apporter la plus-value et pouvoir contribuer véritablement à la culture universelle. Et c'est ainsi donc, pour ne pas monopoliser la parole, qu'est né donc les Koundé. C'est vrai qu'au début, en 2001, ce ne fut pas facile parce que la production intellectuelle et, pardon, la production musicale artistique, artistique voilà, n'était pas discographique. Il n'y avait vraiment pas la matière. On était un peu limité à ce niveau. Mais en même temps, comme il y a eu cet événement incitatif et qui s'est ajouté à bien d'autres et tout, ça galvanisait davantage les artistes et leurs partenaires. Et puis bon, par exemple, à cette dernière édition, c'est vrai que c'était deux éditions cumulées, mais on a travaillé sur près de 1200 et quelques œuvres musicales et près de 500 clips. D'accord. On y reviendra pour les critères pour être nominé au Koundé. Mais avant, je veux savoir pourquoi vous avez accepté d'apporter votre pierre à l'édifice de cet événement. Chacun pris individuellement. ben moi, je travaillais pour une maison de disques qui s'appelait Sidonie Production à l'époque. J'étais le chargé de tout ce qui était communication et les choix artistiques des albums et des catalogues que Sidonie voulait. Et Japresse voulait s'entourer, bien entendu, des gens qui avaient l'expérience de la radio, des médias. Moi, j'étais animateur par ailleurs. Il a pris des gens comme moi, comme Brahima Diga, il y avait encore Maggie, ainsi de suite, Mr. P, on était tous des gens de médias. Voilà. Des jeunes qui avaient de la vision, qui avaient de l'ambition, et c'est comme ça que nous sommes partis. Diga rappelait tout à l'heure la première édition, il faut rappeler que c'était Solo Dia Kabako, le tout premier Koundé d'or. C'était dans une salle de 500 à 600 places environ. Voilà, Magie System était la grosse pointure venue. Pour eux aussi, c'est la première fois qu'ils prenaient l'avion pour aller dans un pays. Et puis, personne ne se doutait que dans 20 ans, on serait là, en train de distribuer encore des trophées. On a donc quitté le Ciné des Royaumes pour aller dans une salle beaucoup plus spacieuse. Et puis, progressivement, tous les artistes, on va dire, les plus grosses pointues d'Afrique, sont tous passés au Koundé. Aujourd'hui, notre difficulté, quand on fait le Koundé, après les artistes burkinabés, pour ce qui est de l'international, on se demande qui n'est pas venu. En fait, la question, ce n'est pas qui on veut faire venir, mais c'est qui n'est pas venu. Voilà. Donc, voici au point où nous en sommes en ce moment. Diga parlait de « on ne peut pas copier pour copier, il faut adapter ». Mais je pense que l'originalité des Koundé, parce que toutes les cérémonies que Diga a citées précédemment, soit ils ont connu des difficultés en cours de chemin, pour des problèmes de budget, pour des problèmes structurels, mais les Koundé, on a connu des difficultés, mais on n'a jamais stoppé. C'est vrai qu'on a connu des décalages, ainsi de suite. Mais pour revenir à votre question, ce qui nous a motivés, sincèrement, nous sommes dit, avec peu, on peut faire beaucoup dans un pays comme le nôtre, où vous savez que le sponsoring, ce n'est pas ce qui coule les rues. Mais sincèrement, c'est une équipe déterminée, avec à sa tête quelqu'un comme Japresse. Et à chaque fois, on fait des miracles, nous dit-on, mais on en est heureux. D'accord. Voilà. Alors la question que tout le monde se pose, hein, c'est la composition du comité du Koundé. On se demande bien, comment on se fait les choix? Qui fait partie réellement du noyau secret du Koundé? Parce qu'après, on dit, combine, c'est leurs camarades, c'est leurs camarades, ils ont donné le trophée, là. Ils ont géré sans eux le business. Elle fait allusion au jury, en fait. C'est ça? J'embrasse ce qu'elle veut dire, et puis bon, on va en parler. En fait, il n'y a pas de combine ou bien d'un noyau secret, pour emprunter votre mot. Nous, déjà, nous partons de ce qui existe du concret. Quelles sont les œuvres qui ont été édités pendant la période. On ne va pas aller nominer, jusque-là vous n'avez jamais entendu qu'un artiste a été nominé alors qu'il n'a pas sorti une œuvre ou bien qu'il n'est pas, par exemple, dans la période. Donc il y a déjà ça. Ensuite, après cela, nous travaillons beaucoup et surtout essentiellement avec les hommes de médias. Donc, dès qu'il y a eu toute la liste exhaustive des œuvres qui sont sorties, par exemple, pour cette édition, entre le 1er février 2019 et le 28 février 2021, nous envoyons ça à tous ces hommes de médias qui, effectivement, regardent et puis qui nous disent « Ah tiens, attention,
Il y a quelqu'un qui a été oublié. Ou bien est-ce que celui-ci n'est-il pas dans la période et tout, tout. Après tout ça, nous faisons bien sûr ce travail de tamis. Et puis bon, on a une liste provisoire définitive, mais que l'on soumet encore à nouveau. Mais, et on l'ouvre également à des professionnels, des producteurs, des éditeurs, des promoteurs de spectacles, et même certains mélomanes qui suivent, qui sont des historiens de la musique, comme on le dit. Et à l'issue de tout ça maintenant, nous avons nos critères. Quand la liste exhaustive a été complètement validée, c'est en fonction des critères maintenant. Et là aussi, nous renvoyons encore pour dire, voici les critères, on va vous demander... pour ce qui concernait les autres éditions, de nous proposer 5-5 par catégorie. C'est vrai qu'au fini, ça va être 3. Mais cette fois-ci, nous sommes allés à 6, parce qu'il fallait retenir 5. Et tout ça, bien sûr, dépouillé, centralisé, réexaminé à nouveau à travers des groupes de travail que nous mettons en place, qui vont travailler là-dessus, faire la synthèse, ce travail de dépouillement, afin de pouvoir effectivement... pour déboucher sur les 5 nominés par catégorie. Et à partir de cet instant, c'est le jury qui tranche. Voilà. Un jury composé essentiellement soit des gens de médias, des gens de qui appartiennent à l'institution. On a toujours pris des gens au niveau du ministère, de la culture. Et voilà, c'est eux qui viennent. Et puis, j'avoue que nous, notre image, notre voix ne compte pas à partir de cet instant. On vient, on les rencontre, on les briefe. Voici tous les documents, la base de travail. La base de travail. Ça va, les fiches de vote. Mais quand ils délibèrent, ah oui, à l'intérieur de Koundé, on n'est pas tous contents. Hein. Ouais. Parce que pendant que Diga pense que c'est le bon choix du jury, moi je peux penser que c'est le mauvais choix du jury. Donc à l'intérieur. Et moi qui suis producteur, juste pour répondre vraiment franchement à votre question, qui suis producteur, il se trouve que j'ai des artistes qui sont en compétition. Il y a des fois où je perds, il y a des fois où je gagne. Mais vous pensez que quand je perds, je suis content ou je suis pas content? Mais le jury n'en a rien à foutre parce qu'ils sont souverains. Et c'est comme ça. Et mes collègues avec moi dans le coudé n'en ont rien à cirer non plus, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Il faut faire le travail. Après, il faut vous détacher. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a polémique, moi je dis c'est une bonne chose parce qu'on est d'accord qu'on ne sera jamais d'accord. On ne va jamais faire l'unanimité sur le vote du jury. C'est des mélomanes qui sont derrière chaque artiste. Voilà, vous faites allusion à mon frère qui a son frère de Bobo qui est en compétition. On lui souhaite toutes les choses. Mais ça va passer ou ça ne va pas passer. Mais c'est comme ça. Mais il faut avoir la hauteur d'esprit de comprendre aussi que les artistes sont des humains. Quand ils ne gagnent pas, ils ne sont pas contents. Et quand les mélomanes aussi savent que leurs artistes ne gagnent pas, ils ne sont pas contents. Mais c'est ça aussi le jeu. Alors, tout à l'heure, le doyen parlait de... Ouais. Oui. Juste pour ajouter, en fait, comme Papus le disait, la base de travail, c'est les fiches de vote. Tous les organes de presse au Burkina, dont à peu près 180 radios, sont touchés par ces fiches de vote que nous transmettons, même dans les zones les plus touchées actuellement par le phénomène de l'insécurité et tout, sont concernées. Et bien sûr, il y a de ce qu'on va appeler des personnes ressources. Également, nous avons des fiches adaptées. Et puis pour la catégorie du meilleur artiste le plus joué en discothèque, nous avons des fiches spécialisées que nous envoyons dans toutes les discothèques et les bars dancing et tout. C'est cette base du travail qui est remise au jury, qui a une base de travail et bien sûr les critères et conformément qui, bien et sûr... la souveraineté du jury aussi. Et surtout, ouais, et sans appel, hein, la décision du jury. D'accord, il y a un mot qui revient fréquemment de plus, ce sont les critères. Oui. Alors, quels sont les critères pour être sur la liste exhaustive du Koundé? Alors, non, on va épuiser tout votre temps de je préfère vous renvoyer à une fiche où les critères sont bien définis. Mais essentiellement, ça repose sur le côté médiatique des œuvres, le succès commercial, médiatique, et puis d'autres autres choses, comment l'artiste planifie son calendrier, sa promotion, sa visibilité, je crois que c'est ça. Mais de façon technique, il y a l'énoncé devant chaque catégorie où vous pourrez en prendre connaissance. Alors, puisque nous sommes dans la genèse, je voudrais qu'on aborde un élément qui est quand même très important pour les Koundé. C'est, on a constaté que depuis le début jusqu'à maintenant, les Koundé se sont adossés à une première dame. Première dame en fonction des présidents qui se succèdent. Pourquoi cela et pourquoi maintenir forcément le parrainage sur une première dame? Est-ce qu'elle a dit que... Demandez à mon grand frère de faire court et de vous dire en 30 secondes. Voilà. Ouais. En 30 secondes, lorsqu'on dit qu'une première dame
accepte parrainer, être la marraine d'un tel événement culturel, il faut voir derrière la personne morale, à savoir le chef de l'État lui-même. Okay. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est pour dire que l'événement, c'est-à-dire tout ce travail des artistes, leur galvanisation, est prise en compte par le premier des Burkinabés, le chef de l'État. Maintenant, qui ne peut pas être là, bien sûr, physiquement, ça va être peut-être trop demandé, ça peut avoir chose et tout. Donc, son épouse, effectivement, le représente. Mais derrière, c'est un peu cet engagement fort de l'État, derrière les acteurs culturels. Ce n'est pas que derrière les Koundé ou bien derrière le commissaire général ou le commissariat général. Absolument pas. Voilà. D'accord. Alors, cependant, quel est l'apport du Koundé dans la valorisation de la musique africaine ? Oui, ça c'est la question que tout le monde pose. Il y en a qui sont attachés à qu'est-ce que le Koundé d'or gagne en termes de finances. Et puis je crois que la question la plus intelligente, qui a le plus de fond, c'est qu'est-ce que ça apporte à un artiste de remporter le Koundé d'or ou de remporter un trophée. Mais je pense que Djiga l'a dit, si on ne réinvente pas la roue, ne sont pas différents aussi des autres cérémonies des récompenses. Mais si les gens font l'effort d'aller fouiller en ce qui concerne les cérémonies des récompenses dans tous les domaines d'activité, il faut s'attacher à la symbolique et de ce que ça peut vous ouvrir comme porte en termes médiatiques. Alors, tous ceux qui ont reçu le Koundé d'or, ils peuvent témoigner. Ils savent que l'avant Koundé d'or et l'après Koundé d'or est différent. La façon dont les gens vous regardent. Comment on juge votre cachet même, pour parler terre à terre. On sait que tout ça change du coup. Mais après, d'être l'artiste de l'année d'un pays comme le Burkina, pour moi qui suis producteur, je sais que c'est beaucoup dans la carrière. Mais après, qu'est-ce que le staff même fait de ce trophée et comment il communique sur le trophée ? Bien entendu, si vous êtes Koundé d'or, vous ne dormez pas chez vous. Et puis, des milliards tombent. Non, vous utilisez ça comme outil pour votre positionnement au plan national, au plan international. Maintenant, les Koundé, concrètement, qu'est-ce que nous on fait en dehors de donner le trophée à l'artiste et ses prix ? Quand on a un partenariat avec des événements dans la sous-région. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on nous demande ? Qui est-ce que vous nous emmenez cette année ? Dans le cadre de notre collaboration, on envoie toujours le Koundé d'or. Voilà. Donc, des gens comme Floby, comme Bila Kakora, je cite les deux parce que c'est les deux à avoir deux trophées, deux Koundé d'or. Voilà. Ils sont partis au Bénin, dans le cadre des SICA, qui est une cérémonie de récompense. Ils sont partis en Côte d'Ivoire. Il y avait le RTI Music Award, c'était Smoke qui était parti. Et il y en a qui sont partis au Mali, au Tamani d'or. Et c'est cette relation-là qu'on a et c'est cette connexion qu'on a. Mais en même temps, le fait qu'on organise des Koundé nous met en connexion avec de grosses têtes du show business africain. Ce qui fait que, en termes de mise en contact avec telle ou telle scène ou tel promoteur, c'est beaucoup plus facile pour nous. Et je crois que c'est ce qu'on fait profiter, c'est notre carnet d'adresse. Voilà. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est votre avis. Par ailleurs, le micro du McDo s'est baladé un peu en ville, ouais, dans le couloir du public, dans le couloir des hommes de médias, ouais, et aussi dans le couloir des artistes. Voici ce qu'il en ressort. Moi, c'est Saodro Zak, dit Caporal. Moi, en tant que Koundé, ça me fait plaisir parce que ça nous fait manquer. L'année passée, comme ils n'ont pas pu faire, sincèrement, ça nous a fait trop, quelque chose qui nous a fait manquer. Salut, c'est Prince Wendemi. Je pense que les Koundé, l'impact, c'est déjà les rencontres. Les rencontres avec les tourneurs internationaux qui viennent, les hommes des médias qui arrivent de partout et les artistes aussi qui viennent de partout. Donc, en gros, c'est comme, si on veut comparer, c'est un peu comme le Fespoko d'une manière musicale. Yo, salut, c'est DJ Moasco, Rababoum, artiste ivoirien, artiste faisait de coupé décalé, voilà, nous sommes au Burkina Faso. Ouais, le Koundé, je connais depuis que je suis tout petit, voilà, c'est une très bonne initiative, ça permet aux artistes d'ailleurs de se faire connaître ici au Burkina Faso et vraiment d'être honorés, voilà. Voilà, je suis Marius Djessongo, journaliste culturel, concernant donc les Koundé en termes d'impact
ici et ailleurs. On va d'abord parler d'ici. Je peux rappeler que les Koundé sont venus avec l'avènement de Sidonie Productions, cette grosse maison de production de la musique burkinabé. Et donc, en termes d'impact, les Koundé ont permis de professionnaliser davantage le métier donc de la musique, stimuler les artistes, créer un esprit de compétitivité. Cela donc s'est ressenti au niveau donc des productions, parce que quand on parle de Koundé, il y a l'aspect communication. Donc ça a amené les artistes à s'améliorer, à avoir un staff, à beaucoup miser en termes de communication. Et puis par exemple, les lauréats des Koundé dans différentes catégories, c'est une reconnaissance nationale. C'est la mère donc des cérémonies de récompense au Burkina, qui est une véritable assise. D'aucuns disent même que c'est le baromètre de la musique burkinabé. Ça permet donc de vous certifier si vous êtes Koundé d'or ou vous êtes dans les catégories intermédiaires. Ça vous permet d'avoir une certaine crédibilité, une certaine assise. Il y a les artistes même qui disent que ça permet même d'augmenter le volume de leur cachet. Par exemple, pour les Koundé d'or, parce qu'ils estiment que lorsqu'on obtient un Koundé d'or, les contrats s'enchaînent donc pour ces artistes-là. Et ça les permet d'avoir des cachets mirobolants, d'être beaucoup plus sollicités. Hervé David Onla, je suis journaliste et puis directeur de publication de Oxygène Mag et directeur général de Oxygène Group. On le dit déjà, hein, pratiquement les artistes, de plus en plus, quand ils sortent leurs œuvres burkinabées, hein, pour d'abord commencer par le Burkina, quand ils sortent leurs œuvres, ils se réfèrent toujours aux années, entre guillemets, des Koundé. Pour bon nombre d'artistes maintenant, ils se disent que quand ils sortent des albums, ils espèrent peut-être être nominés, mais éventuellement à gagner un trophée. C'est devenu pour pratiquement depuis 20 ans, pour bon nombre d'entre eux, vraiment d'être quand même nominés. Donc ça vous prouve que justement les Koundé ont atteint une certaine notoriété. Maintenant, à l'extérieur, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes de l'extérieur qui viennent. Déjà, ceux qui participent au Koundé ont la chance de découvrir, n'est-ce pas, ces artistes d'antan, des artistes d'anthologie qu'on a connus de par le passé, ou bien ceux qui sont en vogue. En ce moment, on a cette occasion, une fois à l'année, de les rencontrer ici à Ouagadougou. Et puis aussi ceux de l'extérieur, il y a également, ils ont également primé. Ils viennent, beaucoup d'entre eux qui sont invités, repartent également avec des trophées, soit d'honneur, soit des trophées qui sont en compétition spéciale. Maintenant, est-ce que en termes d'impact, c'est vrai que sur le plan local, c'était mieux, on s'attendait quand même à mieux que ça. Vous savez que chaque année, les événements deviennent de plus en plus prestigieux. Quand on parle d'un événement comme les Koundé, le prestige est d'autant plus important que il faudrait aussi qu'on le ressente au niveau des artistes, notamment ceux qui ont été des lauréats. Mais quand on voit après, on constate que les lauréats sont pratiquement les laissés pour compte. Dans cet événement, depuis pratiquement 10-15 ans, le lauréat du Koundé d'or, pratiquement une année après, il est porté disparu. Il n'y a pas véritablement cet accompagnement, ne serait-ce que de prestige, qu'on remarque, alors que de plus en plus les autres événements, le lauréat, non seulement beaucoup d'artistes, beaucoup des acteurs du showbiz participent à l'événement, mais le lauréat, il est encore beaucoup plus prestigieux, c'est-à-dire qu'il est encore mieux rehaussé. On remet des villas. Maintenant, à certains lauréats, on remet des voitures. L'événement a pris une autre ampleur, alors que les Koundé sont à la 20e édition. C'est pratiquement le premier événement en Afrique francophone, en Afrique noire, qui est très reconnu. Mais malheureusement, en termes de prestige, j'ai l'impression qu'ils sont en train de baisser d'un cran. C'est surtout de la charité, quoi. Bon. Voilà ce qu'il en ressort. Votre réaction, vos impressions là-dessus? Ben, moi, je suis de ceux qui pensent toujours qu'il faut laisser les gens dire. Il faut laisser les gens opiner. Ça fait 20 ans qu'on fait cet événement. Et je crois que ça se voit qu'on donne tout ce qu'on a pour que cet événement tienne. Par amour pour notre métier. Parce que vous l'aurez constaté, tous ceux qui sont à l'intérieur de ce commissariat, c'est des gens de médias. Donc s'il n'y avait pas le Koundé, vous et moi, on parlerait voilà, comme n'importe quel journaliste ou animateur. Voilà. Donc, que vous pouvez faire mieux que ça. Non, c'est facile de dire à quelqu'un qui peut faire mieux que ça si vous n'êtes pas dans la maison. Voilà, on peut toujours faire mieux. Ça, il faut que vous ayez ça en mémoire. On peut toujours faire mieux. Maintenant, ça dépend de là où chacun met le curseur sur le mot mieux. Voilà. Donc, moi, je dis aux gens,
N'oublions pas qu'on évolue dans le même environnement. Donc tout se sert dans ce pays. Le Koundé repose sur quoi? Sur du sponsoring. Et il y a des gens qui prennent la parole, c'est trop facile pour eux d'opiner, de dire des choses. Mais ce qui est joli, un monsieur comme David Hervé, on l'a sans personnaliser la discussion, c'est un organisateur de cérémonies. Il organise les 12 spéciales. Donc une cérémonie qui récompense les acteurs du show business et de la musique. Mais Dieu merci. Et on peut citer d'autres personnes qui ont emboîté le pas. Mais c'est au pied du mur qu'ils ont fait le constat. S'ils veulent être honnêtes avec eux-mêmes, mais je dis encore de l'intérieur, je dis à Diapresse encore, comment il arrive à tenir? C'est comment on arrive à tenir dans un contexte où, en termes de sponsoring, mais les gens, c'est trop facile de parler de la Côte d'Ivoire, de parler du Congo. Mais regardez, un événement déjà comme les FEMIA en termes de budget, un événement comme le FESPACO en termes de budget, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a que l'argent. C'est l'événement qui a le plus de sponsors en fait, oui, en termes d'événements privés. Mais les gens disent aussi que Twitch TV, ouais, encore le Mac 12, ouais, est la télé qui a plus... d'annonceurs, c'est demande pourquoi. Donc pourquoi on mais dit c'est, mais c'est grâce à la pub. Allez, qu'est-ce qui se passe? C'est la pub. C'est la pub. C'est la pub, hein. C'est l'histoire d'un instrument à trois cordes conçu par les génies africains. C'est l'histoire d'un instrument qui rythme les danses et les chants dans les profondeurs de l'Afrique. Un instrument dont la résonance des lignes mélodiques aura un écho au-delà des océans jusqu'aux Amériques. C'est l'histoire d'un instrument devenu le symbole d'une cérémonie grandiose, d'un rêve, parti d'un pays fier, un pays riche de ses hommes et de ses femmes, un pays appelé le pays des hommes intègres, Burkina Faso. C'est l'histoire d'un rendez-vous continental annuel qui traite ses magnifiques tableaux à l'image d'une œuvre d'art qui suscite dans les galeries une contemplation infinie. C'est l'histoire d'une cérémonie de l'excellence où la création et la production musicale sont reconnues et saluées par la critique. C'est l'histoire d'une sacrée soirée sur un royal tapis rouge où les convives ont toujours attaché du prix à la haute couture, à l'élégance et au glamour. Koundé 2021. Sous le patronage du gouverneur de la région du Sud-Ouest, le parrainage de Jean-Pierre Somda, expert en communication, promoteur de la radio Manivelle de Dano, le coparrainage de Karim Ouattara, directeur général de la Maison de l'Entreprise, le marrainage de Touo Bomé, Evelyne Dabiré, directrice de la RTB2 Haut-Bassin, vivez du 23 au 27 novembre 2021 à la place de la Révolution de Gawa, la troisième édition du Festival des Arts du Sud-Ouest, FASO, dédié à l'art vestimentaire et placé sous le thème « L'industrie du textile au Burkina Faso, difficultés et perspectives ». Au programme, prestations d'artistes, foires, expositions et ventes de tenues traditionnelles, carnaval, conférences publiques sur le thème du festival, le 26 novembre à 10h à l'hôtel Nongtaba de Gawa. Tout et tous à la place de la Révolution de Gawa du 23 au 27 novembre 2021 pour vibrer au rythme des arts du Sud-Ouest et d'ailleurs. Faites-le plein d'énergie multivitaminée avec 4 nouvelles saveurs d'Afanil. Manganana coco, idéal pour le goûter à l'école. Les nouvelles saveurs sont de véritables délices à emporter. Mangue citron pour avoir du tonus au sport. Disponible en format 0,50 litres et 1 litre. Mangue gingembre, facile à emporter pour les pauses café au bureau. Pour les moments de loisirs, joie et partage. Dafani, le goût du naturel. Retour au plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. En prélude du 26 novembre 2021, date à laquelle aura lieu la 20e édition du Koundé 2021. Nous, le Mac 12 ici, la seule émission qui vous ressemble, on fait notre Koundé et en compagnie des amoureux du langage de l'émotion, c'est-à-dire vous.
même si ce plateau, nous avons le grand Giga Mayiga, pardon, Brahima. Brahima Giga. Voilà. Brahima Giga. Voilà, Brahima Giga. Et aussi, commandant Papus, il y a 14 sur plaqué. Vous savez ce qu'est sur le plateau? Ce qui est chic sur le plateau ici, là. Ce qui me plaît dans mon affaire. C'est que personne ne peut pas me frapper. Après l'émission, tu peux m'attraper, mais pendant l'émission, tu ne peux rien me faire. C'est sûr. Alors, on parlait justement de vos impressions par rapport au VDR. Oui, on parlait du reproche que beaucoup de gens nous font à propos de qu'est-ce que le Koundé gagne. Pour certains, on gagne beaucoup d'argent, il y a beaucoup de sponsors. Mais je crois qu'il faut aller fouiller, vous connaissez la réalité. On ne gagne pas beaucoup d'argent. En fait, depuis que tu parles, et puis le doigt derrière. Non, je vais avec votre permission, et madame, même si en journaliste, on devrait se tutoyer. Non, je dirais qu'il y a quand même eu des études, il y a des mémoires qui ont porté sur le sponsoring au Burkina. Également des études, il y a eu des séminaires de réflexion sur le mécénat et le sponsoring au Burkina. Surtout ce qui se rapporte à la culture. Je ne vais pas peut-être être un peu méchant pour dire qu'il est quasi inexistant. Parce que vous voyez, c'est souvent des regards miséricordieux qui sont faits par des institutions à des promoteurs qui se battent pour pouvoir effectivement maintenir l'événement. Parce qu'il y a d'abord un engagement personnel qui est là. Il y a un dévouement, il y a une passion et on se bat pour pouvoir maintenir. Yeah. Parce que c'est aussi, il faut relativiser. Et vous prenez les Galéens, pour ce qui est un peu notre domaine. C'est à la 4e édition des Galéens, j'y étais à la première édition en février 98. C'est à la 4e édition des Galéens qu'on a commencé à dire le lauréat Super Galéen aura une villa. 98 à aujourd'hui. Pour l'université, la lauréate, elle a un véhicule, par exemple. Oui, mais ce genre d'injustice, ça existe dans plein de domaines. Parce que si vous allez aussi dans les Olympiades de mathématiques et tout, le lauréat, peut-être, c'est quoi? Il a juste un dictionnaire et c'est maintenant, souvent, on lui donnera une tablette. Donc, si on va comparer de la façon, c'est compliqué. Et vous savez, la culture en Afrique, et plus précisément au Burkina, elle a souffert depuis la colonisation. Peut-être qu'on est passé par là pour mieux nous coloniser, on a maté notre culture. Et jusque-là, vous en avez qui ont horreur, ou bien qui ont une certaine frilosité, qui se gênent. Mais si c'est peut-être dans d'autres domaines qui sont, ils sont peut-être plus à l'aise. Mais lorsque c'est culturel, mais certains même vous diront, comme c'est culturel, ça concerne chacun, débrouillez-vous, c'est la culture ou bien off, vous, votre culture et tout. Bon, essayez de voir ce que vous voyez. Et ce n'est pas dans le milieu, on est d'accord, on encourage tous ceux qui y viennent. Mais en même temps, c'est l'un des rares domaines où n'importe qui vient quand il veut et repart quand il veut et comme il veut. Et ça affaiblit aussi le domaine. Parce que vous voyez, mais le secteur. Fait, la requête de Jagen, moi je pense qu'il faut, peut-être que c'est intéressant de lancer un appel. S'il y a des donateurs qui veulent offrir une voiture à un Koundé, au Koundé d'or, mais est-ce que vous pensez que nous on cracherait là-dessus? Voilà, pour Miss Université, vous l'avez dit, c'est un donateur, un sponsor, qui fait dans la vente des véhicules. Okay. Voilà, qui a jugé que ce serait bien cette année, exceptionnellement, que la Miss roule en voiture. C'est en même temps la com qu'on fait, la promo qu'on fait, c'est du marketing qu'on fait. Ben, c'est intéressant. Vit de cette façon, mais on est preneur. Okay. D'accord. Merci à vous, les doyens, les garçons, merci à vous. Ouais, pas de problème. Fin de la première partie de cette émission. Cependant, quel est le programme, le contenu du Koundé 2021? La réponse. Tout à l'heure, je dirais dans moins de 3 minutes avec la grande Maggie Leslie Oka. Let me give you
Plateau et le grand Billa Kakora est avec nous en compagnie de la grande Maggie Leslie Oka. Billa Kakora, quand dit que Maggie nous donnera le programme, en outre le contenu du Kondé 2021, Billa Kakora nous racontera son aventure en tant qu'homme de mérite 2002 et 2005. Voilà. Qu'est-ce que le Kondé a apporté à sa carrière artistique? Sissou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Merci, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi d'être à Fruit TV. Donc, merci beaucoup de nous recevoir pour les Kondé, l'édition 2021. Et puis, bonjour à tous les téléspectateurs de Fruit TV. Sinon, Maggie, comment tu rejoins la team des Kondé? Depuis le début. L'histoire a commencé depuis le début. On était l'équipe de Dja Press, il nous a abordé par rapport à ça lors d'une rencontre. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Nous tous, on a trouvé que c'était une superbe idée. Et donc, depuis le début, on est dans cette aventure avec Dja Press, Salfo Soré. Et moi, en plus d'être commissaire au marketing, j'ai la chance de faire aussi la présentation des Kondé. Voilà. Sinon, allez, qu'est-ce qui nous attend pour cette édition? Alors, pour cette édition des Kondé, déjà la date, hein, tout le monde connaît la date, c'est le 26 novembre au Palais des Sports de Ouaga 2000, placé sous le patronage de Madame Sika Bella Kabore, épouse du chef de l'État, une femme d'honneur, une femme de cœur. Elle a toujours été avec les Kondé, on la remercie d'être notre marraine. Et puis la retransmission sera en direct, on le sait, sur la radio-télévision du Burkina, sur des chaînes africaines, mais aussi sur la plupart des télévisions privées du Burkina, dont Fruit TV. On vous dit merci pour cela. Les Kondé, dès l'arrivée, dès 19h, vous avez ce qu'on appelle le tapis rouge. C'est la version VIP pour rendre honneur et hommage à tous nos invités. Vous arrivez sur le tapis rouge, vous vous présentez.